Bonjour Damien Abad. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est une décision juste qui vient d'être prise ? Oui, c'est une décision juste et absolument nécessaire parce que c'est une victoire de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi de la France des territoires. Et c'est un camouflet pour un gouvernement qui se croit trop souvent au-dessus des institutions, au-dessus du Conseil d'État, au-dessus du Parlement, et qui aujourd'hui est sanctionné sévèrement par le Conseil d'État. Et puis c'est aussi, je crois, symbolique pour notre famille politique parce que nous avons fait des recours qui visent justement à garantir la sincérité du scrutin et le droit à l'information des Français, à ce qu'on ne biaise pas les résultats et qu'on ne gagne pas sur tapis vert ce que l'on perd dans les urnes. Vous espériez le retrait total de cette circulaire ? Non, mais écoutez, nous avons été satisfaits sur tous les points. Nous avions demandé une suspension, notamment sur deux points majeurs, qui est le seuil de 9000 habitants, qui est un seuil manifestement trop important, puisqu'il exclut 97% du territoire et 53% des électeurs, mais aussi sur la classification divers-centres, qui donnait un avantage très fort à La République En Marche et qui entraînait une rupture d'égalité entre les partis politiques. Et sur ces deux points-là, le Conseil d'État nous a entendus et a décidé de suspendre la circulaire. Vous avez le sentiment que c'était quelque chose qui était prévu justement pour éviter un échec aux élections municipales ? C'est comme ça en tout cas que vous l'avez vu cette circulaire ? Bah, c'est clairement une volonté de tripatouillage électoral. Vous savez, j'ai pris le soin d'assister à l'audience du Conseil d'État et on a senti effectivement un ministère de l'Intérieur gêné aux entournures parce qu'on voyait bien que les argumentaires étaient limités et qu'il y avait surtout une volonté de supercherie politique derrière et une volonté eh bien, de masquer un petit peu des résultats électoraux qui ne seraient pas forcément favorables à la France macroniste, qui est la France des territoires ruraux, qui est la France des communes de moins de 9000 habitants. Mais nous, on veut pas créer deux catégories de Français et deux France qui se feraient face. Merci beaucoup Damien Abad pour cette première réaction, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.